Merci, Shafia. Alors, je vais essayer de profiter du fait que je sois une sorte d'hybride, à savoir un chirurgien devenu directeur de laboratoire, grâce à la clémence de Christian Roux, à qui j'ai succédé à la direction du LATIM, étant par ailleurs payé par l'Université de Bretagne occidentale et dirigé par le directeur général du CHU de Brest et collaborateur assez étroit d'un certain nombre de start-up qu'on a créé. Donc l'idée, c'est effectivement de partager un retour d'expérience sur des idées qui naissent dans le bloc opératoire, qui mûrissent dans le laboratoire, et comment on les transfère, comment on les a transférées pendant 10 ans, comment on essaye de les transférer maintenant, avec tous les écueils, et essayer de partager avec vous quelques petites idées. Alors effectivement, la table ronde, ça va être le triangle clinicien-laboratoire-industriel. Je crois que c'est une clé de voûte que tout le monde connaît bien. Et notre objectif, c'est au sein et au milieu de ce triangle d'utiliser les sciences et technologies de l'information pour essayer de répondre à la problématique qui est très spécifique à la santé, qui est le niveau de performance qui est requis. On pourrait se comparer assez facilement à l'aviation en disant qu'on a besoin de temps réel et on a besoin de précision qui est même supérieure à celle des avions quasiment, puisqu'il nous faut du millimètre et du degré dans le milieu chirurgical si on veut atteindre nos objectifs. Et tout ça nécessite que l'ensemble des processus qui sont développés dans les laboratoires, puis dans le domaine de l'industrie, soient basés sur l'amélioration perpétuelle de la qualité. Je crois que c'est un des mots-clés importants. Alors, pour arriver à faire quelque chose d'utile dans le domaine de la santé, il faut d'abord arriver à se poser des vrais problèmes cliniques concrets, et vous voyez qu'ils sont nombreux et extrêmement variés dans un seul des domaines. Alors, tout à l'heure, on nous a beaucoup parlé du diabète, mais je vais beaucoup parler d'ostéo-articulaire, puisque je fais de la chirurgie orthopédique quand je ne sais pas quoi faire d'autre. Et vous voyez que juste sur cette thématique-là, les problématiques vont de la tumeur à la traumatologie complexe, à des problèmes d'arthroplastie, à des problèmes d'usure, de dégénérescence. Les causes sont multiples et génèrent, si on veut en analyser les causes et les conséquences, et essayer d'utiliser les données en cours de route pour faire quelque chose de constructif, pour améliorer le service médical rendu, de traiter des données qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus hétérogènes et dont le volume mais croissant et dont effectivement, comme l'a dit Jacques de Monjou tout à l'heure, il y a des grands cimetières de données dont on ne sait plus trop quoi faire. Et c'est un peu le défi. Alors le défi, il est de se dire que on va passer du bloc opératoire, c'est-à-dire d'un geste chirurgical qui est une procédure organisée, à quelque chose de circulaire. Alors au départ, on a des informations qui sont le plus souvent des informations préopératoires, de radio, et puis on a une autre base d'information qui est la connaissance a priori, qui est celle qui est transmise de génération en génération au médecin et qui définit une stratégie opératoire. Cette stratégie opératoire, elle est extrêmement linéaire au départ. C'est un processus qui est organisé. Et ce qui a transformé notre pratique, c'est qu'au cours de ces interventions, on va amener de nouvelles informations qui sont des données dynamiques qui vont venir compléter ce qu'on faisait très bien par le passé, à savoir analyser en gros les formes en 2 dimensions sur des radios. Et l'ensemble de ces informations, elles vont permettre, grâce à tous les capteurs qu'on développe aujourd'hui, capteurs de position, de force, un contrôle préopératoire et un enrichissement de la stratégie par des données au fur et à mesure qu'on opère. On est donc dans une espèce de boucle vertueuse qui fait qu'on est passé d'un raisonnement linéaire à un raisonnement circulaire aujourd'hui. Et en fait, on n'arrête pas d'optimiser le geste chirurgical au fur et à mesure qu'on le pratique. Donc, c'est le fondement de notre laboratoire, c'est ça, c'est en fait de développer des techniques de traitement de l'information de façon à intégrer de façon continue ces informations multimodales pour améliorer le processus chirurgical. Si on veut aller loin dans ce triangle, et si ce triangle il est vertueux, c'est-à-dire que si on met des gens ensemble autour d'une table, des industriels, des cliniciens et des chercheurs, c'est pour aller plus loin. Et pour aller plus loin, ça sous-entend avoir une vision quelque part. Et la vision, elle doit mener les gens très très loin. S'il n'y a pas de vision, je pense qu'il n'y a pas de recherche et il n'y a pas d'innovation, et elle part de là. Donc cette vision, pour nous, dans le système ostéo-articulaire, et c'est une vision maintenant qui est assez déclinée à tous les niveaux et dans toutes les spécialités, a été de partir d'un quelque chose de macroscopique qu'est l'articulation pour descendre en échelle dans une démarche qui est maintenant connue par tous, c'est de se dire on va aller du macroscopique qu'est l'articulation jusqu'à l'ADN, puisqu'à tous les niveaux, effectivement, on a une représentation d'un phénomène commun à des échelles différentes.
Et c'est donc cette vision qui nous guide depuis une vingtaine d'années, qui va nous guider encore pour les 10 ans à venir. Et on voit que le traitement de l'information, et en particulier le traitement d'image, a une place à tous les niveaux. Et que quand on analyse l'ensemble de ces systèmes, on est face à des systèmes dits complexes qui sont propre, c'est-à-dire qu'il y a le système ostéo-articulaire avec toutes ces étapes qu'on vient de voir qui interagit à tous les niveaux, c'est-à-dire que quand on agit sur le tissu en faisant de la chirurgie, on va agir donc au niveau macroscopique, mais que derrière, on va entraîner des réactions cellulaires, des modifications des protéines sécrétées localement, des interactions entre les implants qu'on va mettre et le tissu, qui fait que le comportement va être variable d'un individu à l'autre. Et puis ce système interne, système ostéo-articulaire, il va interagir avec d'autres systèmes du corps humain, tels le système hormonal, et puis il va interagir aussi avec l'extérieur, avec l'activité, avec les régimes du patient, avec des contraintes mécaniques qui sont imposées au système, qui fait que tout ça est au final extrêmement complexe et doit nourrir la réflexion de la recherche. Alors, pour en mettre ça en exergue, eh bien, en fait, une des visions qui a eu lieu dans le laboratoire, l'hommage est à rendre à Christian Roux et à Christian Lefebvre, ça a été de se dire il y a un lien très très fort entre forme et fonctionnalité, déclinons ceci au niveau ostéo-articulaire, en sachant que le but de la chirurgie orthopédique, c'est de rendre une fonction. Et cette fonction, elle est extrêmement variable d'un sujet à l'autre. Ça veut dire qu'il va falloir, dans la réflexion, intégrer la variabilité intra-individu, les causes des de cette variation et de ces dégradations de ce système sont extrêmement variables. Ils sont biologiques dans le cadre des pathologies inflammatoires, ils sont mécaniques dans le cadre des pathologies d'usure comme l'arthrose, ou parfois traumatiques comme sur cette dernière image. Et donc c'est l'idée de se dire, on va essayer de restituer une fonctionnalité en prenant en compte la dualité forme-fonction, c'est-à-dire les relations entre l'analyse morphologique des formes et leur fonctionnement, qui nous a permis de développer au cours des 10 dernières années un certain nombre de modèles biomécaniques optimisés, propres aux patients et en 3 dimensions. Mais ici, on a une reconstitution, donc une reconstruction et une fusion d'informations morphologiques et dynamiques, qui sont ensuite des modèles qui sont utilisés pour faire des systèmes de guidage et pour guider les systèmes de chirurgie assistée par ordinateur. Donc, c'est cette vision qu'on a transférée au cours des 10 dernières années, en faisant le lien entre forme et fonctionnalité, dans un certain nombre de protocoles chirurgicaux informatisés. Et on a participé de ce fait à la définition de l'état de l'art, en particulier avec nos collègues grenoblois, depuis plus de 10 ans. Et ça a abouti à un certain nombre de logiciels qui sont aujourd'hui utilisés, par moi le premier dans le bloc opératoire, mais un petit peu partout dans le monde, et qui a transformé une partie de l'activité des chirurgiens orthopédistes. Je voulais juste revenir sur cette dernière image, qui est de dire que derrière cette problématique amont et ce travail des laboratoires, on est toujours centré sur finalement l'optimisation et la recherche du problème clinique réel. Alors une fois qu'on a ça, une fois qu'on a ce prototype, se pose finalement la question du transfert et comment on passe du laboratoire, de la maquette à l'industrie. Ça va être dans 2 minutes totalement impossible. Donc, valoriser, on peut valoriser, c'est transférer la propriété intellectuelle et le savoir-faire, et c'est transférer. On a fait, au cours des 10 dernières années, à peu près tout, c'est-à-dire qu'on a transféré via des PME partenaires. Praxim a été la première avec laquelle on a travaillé. On a transféré via des multinationales, et en particulier le numéro 2 mondial, à savoir DePuy, du groupe Johnson & Johnson. Et quand on fait ça, on a été plutôt successful avec effectivement un certain nombre de logiciels qui ont atteint le marché. Et puis, on a vécu les affres des partenariats avec l'industrie, à savoir que les multinationales, ce qui se passe, c'est quand ça change de PDG, ça change de stratégie. Donc, quand il faut aller vite, et la notion d'espace-temps a été évoquée, on a vu un certain nombre de retournements de stratégie dans des multinationales sur des projets extrêmement intéressants qu'on fait, qu'on a tout arrêté en cours de route. Et puis, les PME, leur gros avantage, c'est que soit elles survivent et elles croient et là tout va bien. Et puis quand elles ont bien survécu et bien pris du volume, elles sont tout simplement absorbées par les multinationales. Et là aussi la stratégie change et on se retrouve à nouveau un petit peu embêté avec nos logiciels tout seul dans un petit coin et on ne sait plus quoi en faire.
La deuxième question qui est clé pour moi, c'est quand valoriser. C'est-à-dire, est-ce qu'on le fait au niveau de la preuve de concept? Est-ce qu'on le fait au niveau de la maquette, au niveau du prototype? Est-ce qu'on attend un petit peu? Et la notion d'espace-temps est fondamentale. C'est-à-dire que je pense qu'une des clés du succès, c'est de savoir évaluer où on se situe par rapport au marché et plus ou moins loin dans l'espace-temps. Et si on ne sait pas bien répondre à cette question, on va à l'échec. Et je pense qu'une des réponses, elle passe par la validation, c'est-à-dire jusqu'où on est capable de faire la démonstration que ce qu'on a créé augmente le service médical rendu. Est-ce qu'on est près ou loin de la capacité de démontrer ça pour obtenir un code de remboursement? On a parlé de la LPPR tout à l'heure, qui dit un financement et qui assure la diffusion. Pour valider, il faut des infrastructures, et il y en a un certain nombre qui existent aujourd'hui, se posent derrière des problèmes de financement et des problèmes législatifs. Donc cette problématique de la validation de la recherche, elle est absolument clé dans l'étape intermédiaire entre le prototype et le produit fini. Les infrastructures, on les a développées dans le laboratoire et sur Brest depuis une dizaine d'années, en transférant tout ce qu'on faisait en traitement d'image, non seulement dans des produits industriels, mais aussi dans des outils d'évaluation, en partenariat avec les industriels via des PHRC, pour assurer ce continuum entre recherche clinique et fondamentale. Et on a fait en sorte que les plateaux des blocs opératoires, c'est à peu près équivalent au plateau des laboratoires de recherche en ayant les mêmes équipements. On a investi dans des équipements lourds type EOS pour faire non seulement de la recherche amont, mais aussi de la validation de nos résultats. On a investi dans le cadre de partenariats entre des financements recherche et des financements hospitaliers dans un laboratoire d'analyse de mouvement. Et donc toutes ces infrastructures, elles participent à notre capacité de démonstration de la valeur ajoutée de nos produits avant leur transfert. Le financement, c'est quelque chose de clé aussi, parce que cette validation, elle est très difficile à financer. L'ANR nous dit clairement, dans les projets Texan, je ne finance pas la recherche clinique. Donc, dès qu'on a démontré qu'on sait faire quelque chose, on ne sait plus quoi en faire. Le programme STIC sur les innovations thérapeutiques coûteuses, il finance des innovations qui ont déjà fait leur preuve clinique. Le PHRC, il finance des innovations déjà marquées CE. Et de plus en plus, la loi se restreint autour des industriels pour que le marquage chez eux, on ait apporté la preuve. Donc, on est très embêté parce que finalement, comment on va financer notre maturation? On a le projet émergence de l'ANR qui nous permet de mûrir la technologie, mais là, une fois qu'elle est mûre, on a le prototype et on ne sait pas quoi faire. Donc, se pose toujours la question de finalement, quid du financement de la preuve clinique et pas de la recherche clinique de produits déjà commercialisés, mais de la validation préclinique et finalement qui nous permet de faire la preuve du SMR augmenté et d'obtenir de financement. Et puis, le cadre législatif, il n'est pas clair. Aujourd'hui, on a un cadre sur les dispositifs médicaux qui est finalement extrêmement ouvert. On peut mettre quasiment sur le marché, sans preuve de la valeur ajoutée clinique, tout et n'importe quoi. Et on se retrouve dans la situation actuelle. Le scandale sur les prothèses métal-métal, il y en a plein Internet. Et je ne vous parle même pas des prothèses de chez Polyimplant. Donc, ce qui serait souhaitable, c'est qu'effectivement, le cadre législatif, il évolue un tout petit peu. Et effectivement, il va évoluer et sous l'influence malheureusement des scandales dans le cadre du resserrement. C'est-à-dire qu'on le voit bien, la loi aujourd'hui, elle est de plus en plus coercitive autour de l'accession au marquage CE. Si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un impact économique majeur sur des petites structures. On voit bien que le tissu industriel, il est fait de petites PME, voire de TPE, et que si on ne met pas en place les moyens de financer la validation de cette innovation, on va étouffer quelque chose dans l'œuf. Et pourtant, c'est souhaitable parce que c'est ça qui va nous permettre de rentrer dans le cercle vicieux code financement diffusion. Donc il y a un vrai, vrai, vrai problème. Donc il reste sur la table aujourd'hui. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on en avait un petit peu assez, j'ai presque fini, de perdre en fait la maîtrise de la diffusion industrielle de nos produits. Donc on a créé en 2009 deux TPE issus du LATIM, qui sont Osthésis et Imascap, dont on va reparler tout à l'heure. Et puis, on a découvert qu'il fallait apprendre non seulement à faire de la recherche, mais aussi toutes les spécificités du métier de l'entrepreneur, qui sont des choses complètement différentes et qui sont une autre des bandes du triangle, et qu'il faut que les ingénieurs qui sortent des laboratoires et les chercheurs qui sortent des laboratoires soient capables d'appréhender. Alors, créer une entreprise, c'est relativement simple. Vous voyez qu'on croule sous les aides des pôles les aides des pôles régionaux de la région. Des villes qui sont capables effectivement de financer, des fonds d'amorçage, il y en a un peu partout. Il y a le concours du ministère de l'Industrie aux éaux en VAR qui est le Graal. Une fois qu'on l'a décroché, on croit que tout est gagné. En fait, ce qui est difficile, c'est de prospérer, c'est pas de trop créer, parce que rapidement, ces premières aides, on les épuise dans les études marketing, les études de marché et la fin de la validation. Puis on arrive en année 3 où là, on est riche, parce que arrive
les bénéfices de l'investissement sur la recherche et le crédit impôt recherche. Et là, on se dit tout va bien. Puis arrive l'année 4 où on a épuisé le crédit impôt recherche. Et là, on est dans une situation très critique où entre 4 et 5, soit on a un produit qui est terminé, soit c'est la fin de l'aventure et on ferme la boutique. Et c'est pour ça que le positionnement du timing et par rapport au marché est extrêmement clé, et d'être capable de montrer, d'attaquer ce marché en montrant qu'on a fait la preuve de la valeur ajoutée. Donc le problème de la validation est pour moi la clé de ce qui va permettre ensuite l'enrichissement mutuel entre le laboratoire et l'entreprise, parce que si on passe cette quatrième année, eh bien on commence à rentrer dans le cercle vertueux, on peut passer des contrats de R&D entre le laboratoire et l'entreprise, monter des chiffres effectivement, et puis développer de la recherche amont et se lancer dans ce que j'ai appelé l'optimisation permanente des processus. Et donc je vais conclure en reprenant ce triangle, et pour dire que ce triangle, il ne fonctionne que si au départ il y a une vision, si derrière cette vision il y a une réelle appréhension de la notion de multidisciplinarité, si on est capable de mettre en place les formations nécessaires à tout ça, parce qu'on ne s'invente pas multidisciplinaire, c'est une réelle culture qu'il faut apprendre, et c'est la culture de chacun qu'il faut prendre, et si on ne prend pas cette culture, on fait semblant de faire de la multidisciplinarité, on est à côté mais on ne marche pas. Ça veut dire qu'il faut une certaine ouverture d'esprit, une réactivité pour s'adapter à l'ensemble de ces marchés. Il faut savoir persévérer, sinon je pense qu'on abandonne très très vite. Et il faut savoir partager, c'est la clé de tout. Je pense que la notion de temps est extrêmement importante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas partir trop vite, mais il ne faut pas aller non plus trop lentement. Et puis il faut faire attention aux vautours, parce que dès que ça marche un tout petit peu, il y a plein de gens qui vous regardent, qui vous font signer des contrats, des milliers de papiers, qui font qu'à la fin, au lieu de faire de l'industrie, vous faites de l'administratif. Et quand vous avez fini de signer vos papiers, vous avez mis la clé sous la porte parce que vous avez passé les 4 ans. Je vous remercie.